Aujourd'hui, on reçoit M. Guy Sauvageau de Notre-Dame de Montauban. J'aimerais que vous me parliez de votre cheminement. Mon cheminement musical. OK. Alors, ça a commencé à peu près à 16 ans, 16-17 ans. Ma première blonde, je dirais, qui jouait, qui chantait. Moi, j'avais à peu près jamais chanté, j'avais jamais joué de guitare. Elle faisait les deux. Alors, j'ai commencé un petit peu avec elle. Avec Moustaki, on a chanté ensemble et puis ça a été, alors ça a été un coup de foudre vraiment là. J'ai toujours continué. J'ai même arrêté l'université parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps à jouer de la guitare. Parce que je jouais 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, puis je n'avais pas le temps d'aller au cours, puis ça me tentait pas de faire les travaux, alors j'ai arrêté ça. Puis je suis parti en voyage. Et puis, alors, mes premiers spectacles ont été à Terre-Neuve. Ça veut dire à peu près en, je dirais, 1980, là, en tout cas plus ou moins un an. J'étais allé là-bas rejoindre mon jeune frère qui était dans un projet qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, je pense que oui, il s'appelait Katimavik. Alors, il était 3 mois là-bas, et puis il était 11-12 dans une immense maison. Alors, il me dit... Puis on s'écrivait à cette époque-là, là. Maintenant, c'est plutôt rare, mais on s'écrivait des lettres, moi et mon frère. Il avait à peine 18 ans, lui. Et puis, alors, il me dit, si tu veux venir... Alors, je suis parti là-bas. Je suis allé là-bas pour un mois et demi, avec ma guitare, mon père, avec ma tante, au mois de mars. Ça n'avait comme pas d'allure. J'ai jamais ouvert ma tente, d'ailleurs. Les gens là-bas étaient tellement gentils qu'ils m'ont invité partout. Ben, j'ai resté dans la maison où mon frère habitait. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait, tellement que les gens de Terre-Neuve étaient gentils, là, accueillants. Ils m'ont amené partout. Ils m'amenaient voir un coucher de soleil. Ils me laissaient là. On vient te rechercher tantôt, là, tu sais, comme tout seul sur une île. C'est incroyable. J'ai encore des images. Ça fait 40 ans, là, finalement. On dit toujours que la pomme tombe pas loin du pommier. Est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y avait des musiciens, il y avait des compositeurs? Est-ce que... Mon père a chanté dans une chorale longtemps. Alors, moi, ce que je me souviens, petit, mon père, il fredonnait tout le temps. Ce que je fais, d'ailleurs. Ma blonde me le dit souvent. Moi, je chante, je m'en aperçois pas. J'écoute quelque chose ou... T'sais, un ami va me dire un mot, j'ai envie de chanter une chanson, ça me rappelle. J'ai toujours des résonances avec des chansons. Mm-hmm. Puis mon père, il fredonnait, il chantait pas nécessairement des mais il fredonnait tout le temps, il était dans une chorale tout le temps, alors c'est ça. Puis bon, j'ai une sœur qui a appris le piano, j'ai un frère qui a appris la guitare, qui joue plus maintenant, là. Mais ma sœur était très très bonne en piano aussi, elle a appris le piano plus classique, je dirais, là. J'ai pas vraiment suivi de cours de guitare. J'aurais aimé, ça aurait pu sûrement m'aider, là. Moi, je lis pas la musique. Toujours à l'oreille. Ouais, j'essaie, là, toutes sortes de choses. Je me considère pas comme un très bon guitariste, mettons, là, tu sais. Hors des visites à l'hôpital, devant le bon soldat qui monte la garde, à la porte du département, mettez un masque, mon bon monsieur, l'épidémie, c'est du sérieux. Enfile mon masque, puis j'ouvre la porte. T'es contagieux, faut qu'on t'escorte. Rencontre une belle gériatre qui rit, j'ai hâte d'être vieux, moi, mais aucune trace d'épidémie. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es à l'abri des maladies. Des musiciens, ceux qui pensent trop, on ne se protège jamais trop. «
je me cache dans la chambre d'une belle petite vieille, Mireille, qui aime bien bailler aux corneilles. Ça donne bien, moi aussi. Faire diversion, je prends ma guitare, puis on s'allume un gros pétard. Eh bien, contente, Madame Mireille. Les préposés, les infirmières, R, se demandent bien qu'est-ce qu'on va faire de lui. Où est passée la gériatrie? Est-elle en congé de maladie? Elle aussi, ça serait bien le bout. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es à l'abri des maladies. Des musiciens, de ceux qui pensent trop, on ne se protège jamais trop. On me transfère au poste de tri. Pathologique, bureaucratie. L'infirmière chef au garde à vous, le médecin du sans-rendez-vous. Ça serais-tu vous, l'épidémie? Moi, j'ai droit à toute la panoplie des psys. Faut bien qu'ils me trouvent une maladie. Mais c'est pas une maladie, c'est une différence, une sorte de crise d'adolescence à l'infini. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es à l'abri des maladies. Les musiciens, ceux qui pensent trop, on ne se protège jamais trop. On vous trouve un brin effronté, monsieur. Faire du bien sans être syndiqué. Mais monsieur le ministre, les patients dansent, le fun est pogné dans les couloirs. Quand même pas pire pour un mouroir. On peut pas mettre d'argent là-dedans. Des vieux qui votent pas, c'est pas payant. Y'a peut-être des fonds, une subvention, un fonctionnaire discrétionnaire. Mais faites-vous pas trop d'illusions. Mourir heureux, c'est pas un critère. Laissez-nous vos coordonnées quand même. Dans une autre vie, on pourrait vous rappeler. En attendant, on s'est cotisé. Tenez, v'là 20 piastres, changez vos cordes. Votre vieille guitare sonne le fêlé. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es à l'abri des maladies. Oh non! Des musiciens, ceux qui pensent trop, on ne se protège jamais trop. Des musiciens qui font du bien, fort heureusement, y a pas de vaccin. Demandez à Madame Mireille. Il y a un peu d'humour dans vos chansons. D'où ça vient cette... humour-là, là, c'est... Ah bien, ça vient de ma nature de Gémeaux, je dirais. Oui. Mais il y a ça aussi. Mais ça vient surtout que... En fait, dans mes chansons, il y a souvent les deux côtés. Il y a souvent un côté sombre, un côté... puisque je regarde, j'analyse, et puis ensuite, je mets ça en mots, en chansons, tu sais. Mm-hmm. Mais pour pas que ça soit trop lourd, premièrement pour moi, j'essaie de... entre autres le musicothérapeute que j'ai chanté, c'est pas... c'est une histoire absolument abominable, là, parce que moi, j'ai chanté, si je peux vous conter juste celle-là, un petit peu. J'ai chanté pour mon père en fin de vie. Oh. En fait, j'ai fait une chanson aussi pour mon père, les derniers mois de sa vie. Je lui ai chanté avant qu'il décède. Et puis, ça se passait au CHUL à Québec. Là. Et puis moi, j'ai apporté ma guitare. Puis j'ai chanté avec mon père, il y a des infirmières qui ont dansé, il y a des médecins. Alors, le département de gériatrie, quand j'arrivais là, c'était la fête. OK, c'était comprends. Oui, et puis, mais à un moment donné, ils ont décidé que c'était plus la fête. En fait, la bureaucratie a décidé que c'était plus la fête. T'sais, moi, j'ai rencontré plein de gens pour essayer que ça continue. Pas nécessairement moi, mais parce que
tu sais, je leur ai dit, j'ai rencontré, les médecins venaient me voir, le médecin qui a soigné mon père, c'était une femme qui m'a dit, « Monsieur Sauvageau, c'est extraordinaire ce que vous faites dans le département. » Alors, mais oui, je lui ai dit, mais vous pourriez-vous essayer que ça continue? Ben parce que oui. Mon père, là, il va mourir bientôt. Là. Puis exactement ce qui s'est passé, mon père est mort. J'ai essayé pendant plusieurs mois, je les ai relancés. Il y avait toujours des bonnes raisons pour pas... La bureaucratie. Pas d'argent, on a, voilà, la bureaucratie. Il y avait de l'argent, mais la bureaucratie. Alors, tu sais, c'est un peu, ça m'a beaucoup choqué. Ça, en fait, ça a pris une couple d'années avant d'écrire cette chanson-là. J'étais trop choqué de ça. Je comprends. Alors, c'est pour ça que j'ai réussi à mettre de l'humour. Je suis très content de cette chanson-là. Oui, c'est bien. Puis votre répertoire, dans le fond, c'est seulement pour composition ou c'est... Non, c'est pas seulement que mes compositions. C'est plus mes compositions depuis peut-être une quinzaine d'années, je dirais. J'interprète, j'aime beaucoup interpréter encore. J'aime beaucoup Brassens, Moustaki, j'aime ces Vigneault un peu, Félix Leclerc, j'aime beaucoup ça. Mais je fais plus mes chansons. Comment dire, j'ai fait quelques chansons il y a très, très longtemps, puis que, c'est comme si je les aimais pas, je n'étais pas rendu à composer, on dirait, t'sais. Alors j'ai comme un peu abandonné, puis je pense que j'avais pas non plus des bonnes réactions, tu sais, puis à un moment donné, j'ai complètement arrêté de composer pour, je sais pas, 15 ans peut-être, ou à peu près, là. Puis à un moment donné, j'ai recommencé, puis j'ai dit, ah, bien, je pense que j'ai peut-être quelque chose à dire, finalement, tu sais, puis ça a été... Mais c'est long pour moi, tu sais, j'ai pas composé 100 chansons, là, j'en ai peut-être une vingtaine maximum. Alors là, je fais mes chansons. Quand je fais des petits spectacles, c'est surtout mes chansons, mais j'intègre aussi d'autres, parce qu'il y a une époque que j'ai fait uniquement de l'interprétation. Je composais pas encore. Ça, c'est à mon retour de Terre-Neuve. J'avais un ami d'enfance que j'ai retrouvé. Et puis lui, il m'a entendu jouer, il m'a entendu chanter. Et puis, c'est lui qui m'a fait chanter en public. Moi, je trouvais que c'était pas... Bref, il m'a enregistré, une vieille enregistreuse à ruban. Il m'a enregistré, il a pris des photos, il m'a trouvé une salle, il m'a acheté un système de son. En tout cas, il a tout fait pour moi. Il m'a trouvé des contrats ensuite, t'sais. Puis ça, j'ai commencé comme ça. Alors j'ai gagné ma vie comme ça. C'est le seul emploi que j'ai eu aussi longtemps dans ma vie, je dirais. Ça a duré à peu près 3 ans. Et puis je me suis tanné parce qu'une vie de bar, c'est pas toujours... C'était dans les bars. C'était dans les bars. Tu sais, je faisais trop de la musique d'ambiance, mettons. Tu sais, je peux aimer ça le faire de temps. Mais là, c'était trop parce que c'était chaque fin de semaine. C'était 3 soirs par fin de semaine. Ça a été vraiment trop pour moi. Donc ça m'a comme complètement... écœuré, si je peux dire, de la musique. Alors, et puis c'est après plusieurs années, je ne sais pas exactement, il y a comme un peu un blanc là, c'est de musique dans ma vie, là, un blanc de mémoire ou un blanc de cours. Oui, vraiment. Mais quand j'ai repris ma guitare, là, j'ai commencé, j'ai repratiqué les interprétations, mais uniquement ce que moi j'aimais vraiment, pas juste ce que les gens voulaient entendre. Oui. Et puis c'est là que j'ai commencé à composer. Aussi. Et puis là, je me suis dit, là, j'arrêterai plus. La guitare va. Et puis, j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Il y a des petites pauses de temps en temps, là, mais j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. J'ai fait un bonhomme. Un jour de tempête, oh comme sans pommes, et ce fut la fête. Une écharpe, un chapeau vert, 3-4 boutons de grand-mère, mitaine mouillée, épuisée, je l'ai enlacée, il s'est animé. Petit homme, parle-moi de tes rêves au pays des jours heureux. Je veux une terre pour tous les enfants perdus. Terre-mère, plus de jardins défendus. Des sourires, des bonhommes à chaque rue. Petit homme, toi qui aimes la neige,
souffle-moi tes plus beaux voeux. Faire des bonhommes avec tous les cœurs d'enfants. Prendre le temps, fermer les écrans pour se regarder, s'amuser. Et toi, bonne âme, comment vois-tu le monde? N'entends-tu pas tomber les bombes? N'entends-tu pas tomber? Boule de neige n'amasse pas mousse. Pierre qui roule, Jean qui meurt, boule qui croule, boule bleue. Boule bleue. Boule bleue. Boule, petit homme, prends bien soin de tes rêves. Garde au chaud tes couleurs, tes pinceaux, pour nous peindre un autre tableau. J'ai bercé mes larmes, calmeront mes automnes, et détruit les armes de la peur, déposer mes charmes sur ton cœur. Faire des bonhommes avec tous les cœurs d'enfants. Puis la chanson Le Petit Bonhomme, ça vient d'où ça? Ah, Le Petit Bonhomme, Le Bonhomme de neige, ça c'est mon côté enfant que j'essaie de garder. Mm-hmm. Et puis, alors ça c'était, je pense que c'est en 2013-2014 que j'ai composé cette chanson-là. Il y a eu une tempête de neige mouillante, là, vraiment. Moi, j'appelle ça de la neige à bonhomme, OK? Il a tombé un pied de neige à bonhomme. Mais la particularité, c'est que cette neige-là, la température est restée la même. Mettons que la température à bonhomme, si c'est à peu près 0, moins 1, mais c'est resté comme ça pendant 3 ou 4 jours, je ne sais pas. Alors moi, j'ai fait des bonhommes tout ce temps-là. J'en ai fait 9 dans la cour chez nous. Puis les bonhommes, il y en avait un qui était plus haut que moi, là. Toutes sortes de bonhommes. Là, j'ai mis des chapeaux, puis des boutons, puis n'importe quoi. Alors, c'est ça la chanson. J'ai tellement eu de plaisir. Puis alors, quand je suis rentré après presque une semaine, que j'avais plus de mitaine sèche, là, pour, parce que la neige en bonhomme. Ben oui, je comprends. Hein? Alors, je suis rentré, puis j'ai sorti ma guitare, puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit cette chanson-là assez rapidement, d'ailleurs, ce qui m'arrive très, très rarement. Mais, oui. Mais j'étais tellement imprégné, je voulais juste faire ça. Là. J'étais... On le sent aussi dans la chanson. Ouais. Ouais, Vous aimez vous amuser. Absolument. Oui. Il faut, je trouve que le monde est tellement drabe en général. Il faut essayer de s'amuser un peu. Là. Ouais. Absolument. Oui, j'aime bien. Je fais des glissades aussi. L'hiver, j'aime beaucoup l'hiver. Ce que je fais le plus présentement, c'est de jouer pour des personnes âgées. Dans des centres. Je l'ai fait ici, je l'ai fait en Europe les dernières années, je l'ai fait en France aussi. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est un public facile. Tu peux jouer ce qui te tente. Eux, ils sont toujours contents. Un exemple, en France, je suis allé, il y a une femme qui m'a hébergé là-bas. C'est la mère d'une amie qui est ici au Québec. Elle m'avait dit, si tu vas là-bas, tu me le dis, ma mère va t'organiser des choses. Alors, elle, là-bas, son mari était en fin de vie dans un peu comme un CHSLD ici. Alors, moi, je suis allé jouer dans la salle commune de ce centre-là, une petite heure dans l'après-midi, là, devant 35-40 personnes. Mm-hmm. Et puis ensuite, elle m'a demandé si je voulais aller chanter pour son mari dans sa chambre, parce que lui, il pouvait habiter vraiment les derniers jours. Et puis, je suis allé, j'avais jamais vu ce monsieur, là, moi. Là, tu sais. Puis cette femme-là, c'est la première fois que je la rencontre. Alors, je lui ai fait la chanson que j'ai composée pour mon père, là-bas. Ça a été...
assez magique. Comme, ça doit. Ouais, alors, c'est ce que je recherche maintenant. C'est, je vais où les gens veulent m'entendre, veulent m'écouter. Oui. Je fais quelques petits spectacles avec des amis. Ça, là, ça fait longtemps à cause de cette pandémie. On en a fait quelques-uns. Oui, le club de guitare de Saint-Casimir. De Saint-Casimir. Depuis toujours. Moi, je suis là depuis le début. Ouais. Ah oui? Puis qu'est-ce que ça vous apporte, ce groupe-là? Ça apporte de continuer à jouer. Ça apporte de voir, parce que là on peut... Tu sais, vous m'avez entendu, moi j'ai mon style, mais on peut entendre du Johnny Cash, on peut entendre des petits bouts d'opéra, pratiquement. Il y a un gars qui a une voix que c'est absolument extraordinaire. Tu sais, on entend de tout, là. On entend du Brassens, on entend d'autres compositeurs aussi qui ont leur propre composition. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on se trompe, on peut se tromper. Et puis, ça fait plus de 25 ans que ça dure, ça. Okay. Puis, il n'y a jamais... Vous ne sentez pas de jugement. Non, il n'y a jamais eu ça, là, tu sais. Puis, il y en a, tu sais, moi, je dis que je ne suis pas un bon guitariste, mais il y en a qui sont meilleurs que moi, puis d'autres moins bons, mettons, entre guillemets, là, tu sais. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave du tout. On est fait pour marcher, c'est pour ça nos jambes, nos pieds, mais on court toujours après l'économie de marché. En overtime steady, tous en overtime steady. Courir après, courir au-devant du trouble et des emmerdements. C'est comme ça les billes de sang, trop passé, c'est pas reposant. Mes amis veulent tous savoir si j'ai une job steady. J'essaye de vivre ce que je suis, j'avoue que c'est ben assez. J'suis en overtime steady, en overtime steady. On dit que la vie n'a pas de prix, je suis pas d'accord avec ça. Mon comptable me l'a dit, on la chiffre jusqu'au trépas. Et même au-delà, et même au-delà. Allumer le feu et rester dedans, on dirait des adolescents, allons-y gaiement. C'est bien beau les billes de sang, mais là ça brûle et j'aime pas trop ce que ça sent. Mes amis veulent tous savoir si j'ai une job steady. J'essaye de vivre ce que je suis, j'avoue que c'est bien assez. J'suis en overtime steady, en overtime steady. Faut pas que ça fasse du sens, mais faut que ça fasse du fric. Faut pas que ça fasse du sens, mais faut que ça fasse du fric. Qu'est-ce qu'on fait là, à se manger le fric sur le dos? Mais qu'est-ce qu'on fait là, à se manger le fric sur le dos? On peut bien manger notre main, garder l'autre pour demain, ouvrir tout grand les bras et croire que ça ira. Demain, peut-être que ça ira, peut-être ça n'ira pas. Courir après, courir avant, avant qu'il n'y ait plus d'après. On veut tous des billes de sang, mais au bout du compte, c'est juste du vent.
Mes amis veulent tous savoir si j'ai une job stédé. J'essaye de vivre ce que je suis, j'avoue que c'est ben assez. J'suis en overtime stédé, en overtime stédé, en overtime stédé, en overtime stédé. Faudrait que ça fasse du sens plutôt que de faire du fric. Comment vous trouvez le système dans lequel on vit? Parce que j'écoutais ça tantôt puis je me disais. Oh, yeah. Grande question. Oui, on en parle. Ouais. Moi, je trouve qu'il ne marche pas bien du tout. Là. Non. Bien, il marche bien d'un point de vue économique, il marche bien d'un point de vue argent, mais il marche pas bien d'un point de vue humain. Il y a des injustices sociales. D'un point de vue, bien, c'est plein, c'est juste ça. On s'occupe pas des ceux qui ont vraiment des difficultés. Qui ont des besoins. On fait semblant qu'on s'en occupe. Là. On met des miettes un peu, tu sais, puis... Tu sais, comme l'histoire de mon père. Moi, je pense que s'il y avait de la musique dans tous les hôpitaux, dans tous les CHSLD, au bout du compte, là, puis là, je parle comme un... Je pourrais parler comme un économiste, là, parce qu'au bout du compte, je pense que ça coûterait moins cher à tout le monde. Oui. Tu sais, si les gens avaient tous vu, le ministre de la Santé avait vu, quand j'ai chanté ou quand d'autres chantent dans les hôpitaux, ce que ça donne comme bonheur de... Je l'ai dit dans ma tune, mourir heureux, c'est pas un critère, mais moi, je pense que ça devrait en être un. Tu sais, ça me rend extrêmement triste, là, que ça soit pas un critère. Petit oiseau tombé du nid, humain fragile en fin de vie, toi qui m'as donné ton sang, pourras jamais marquer le temps, la 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 la. Le temps d'aimer, le temps des larmes, le temps de dire mais où es-tu, qui es-tu, qui es-tu. Te voilà presque nu, petit oiseau s'accroche au nid, fidèle comme la main d'un ami, toi qui m'as laissé présent de la magie de l'instant, la 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 la. Le temps d'aimer, le temps des larmes, le temps de dire mais où es-tu, qui es-tu, qui es-tu. Te voilà presque nu. Petit enfant et grands-parents, la vie est là, s'en va, reviens. Tes arrières bien assurées, d'autres pourront continuer, la 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 la. Le temps d'aimer, le temps des larmes, le temps de dire mais où es-tu, qui es-tu, qui es-tu. Te voilà presque nu, nous voilà presque nus. Les guitaristes du dimanche mettent leur chemise blanche et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches, et ça les rend